Salut Tomé Bayanga, salut toi la grande famille de Mama Kimia. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, moi je me porte très bien par la grâce de Dieu. Alors sur cette vidéo, on va parler, on va partager une très très belle vidéo qui va vraiment vous édifier ce matin. Une vidéo de l'évangéliste Chris Ndikumana. Alors j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas de partager, de liker, de commenter. Surtout, abonnez-vous. Il y a de l'espace pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. On y va. Et une semaine bénie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui ont faim spirituellement? Pas le Bougali. Qui a faim spirituellement? Moi. Qui s'attend à recevoir quelque chose? Non. Alléluia. Amen. Dieu veut nous apprendre à propos du jeûne. Amen. Qui jeûne ici? Il y a beaucoup d'hypocrites. Est-ce que vous jeûnez vraiment? Non. Qui jeûne régulièrement? Là, vous êtes sincère. Donc, d'abord, on va comprendre pourquoi jeûner. Normalement, le titre, ça devait être « Pourquoi jeûner ?» Mais le titre, c'est « Le jeûne qui plaît à Dieu ». Parce qu'il y a beaucoup qui jeûnent, mais les jeûnes qui ne plaisent pas à Dieu. Mais avant de parler du jeûne qui plaît à Dieu, on va d'abord parler du jeûne. Pourquoi est-ce qu'il faut jeûner? Jeûner, ça veut dire quoi? Jeûner, c'est quand tu t'abstiens de manger le matin, pas parce que tu as faim, pas parce que tu n'as pas le pain, mais parce que tu veux passer du temps dans la prière. Alors, quand tu jeûnes normalement, ça veut dire que le matin, tu ne manges pas. Il y a plusieurs sortes de jeûnes. Là, je ne vais pas entrer dans les détails, parce qu'il y a ce que moi j'appelle les petits jeûnes, moyens jeûnes et grands jeûnes. C'est ma définition. Il y a un jeûne que tu ne manges pas le matin, tu ne manges pas midi, mais le soir, tu manges. Alors, il y a des jeûnes où tu ne manges pas toute la journée, le deuxième jour, le troisième jour, trois jours sans manger, mais tu bois seulement l'eau. Il y a des jeûnes où tu ne bois même pas l'eau. Avant, je croyais que c'était impossible, mais si Esther et les Juifs ont fait ça, c'est possible. Ils ont passé trois jours sans manger, sans boire. Il y a des jeûnes où tu peux passer 40 jours à manger le soir seulement. Il y a des jeûnes où tu passes 40 jours sans manger. Il n'y a pas que Jésus qui a fait ça. Moïse a fait ça. Et je connais des hommes que je connais qui sont encore vivants qui ont fait ça. 40 jours. Je ne viens pas vous enseigner de jeûner 40 jours. On va d'abord comprendre pourquoi jeûner. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'il y a des doctrines qui disent aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de jeûner. Qui a déjà entendu ça? On n'a pas besoin de jeûner. On jeûnait dans l'Ancien Testament, mais si tu lis dans l'Acte des Apôtres, pendant qu'ils jeûnaient et priaient, l'Esprit de Dieu dit. Donc, Nouveau Testament, ils jeûnaient. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne jeûnaient pas avant? Ils ont jeûné quand? Ils ont jeûné après que Jésus est parti. On va lire dans Matthieu 9, versets 14 à 15. J'aime quand je vois des gens qui écrivent. Ça veut dire qu'ils vont garder ça. Alléluia. Matthieu 9, versets 14 à 15. Pasteur, tu veux lire? Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que les disciples ne jeûnent point? Qui pose la question? Il veut piéger Jésus. Pourquoi est-ce que nous jeûnons et tes disciples ne jeûnent pas? Verset 15. Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Voilà. Qu'est-ce que Jésus explique là? Il dit: ils sont avec moi, pourquoi jeûner? Là, il a donné une réponse. Pourquoi il faut jeûner? Qui a compris la réponse? Parce que Jésus voulait montrer que si je suis avec eux, en fait, ils doivent jeûner pour être près de moi. Vous avez compris? Ils doivent jeûner pour être près de moi. Mais nous sommes en train de manger ensemble. Ils sont là. Jean s'appuie sur sa poitrine. Pourquoi est-ce qu'il doit jeûner? Mais quand je partirai? Waouh, c'est très fort. Alors, Jésus lui a répondu: les amis de l'époux, c'est vous et moi. Peuvent-ils s'affliger? Jeûner, c'est s'affliger. Tu t'empêches de manger alors que tu as les moyens de manger. Est-ce qu'ils peuvent s'affliger pendant que l'époux Jésus est avec eux? Donc il est avec eux. Mais les jours viendront où moi, l'époux, je serai enlevé. Alors là, ils vont chercher à être près de moi, mais physiquement, je ne serai pas là. Donc ils doivent jeûner pour être avec moi spirituellement. Voilà pourquoi il faut jeûner. Alléluia. Si quelqu'un te dit, on ne jeûne plus, Jésus a dit, les jours viennent. Ces jours, ce sont ces jours-ci. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a quelque chose de très important
qui est dans ta vie, mais quand tu jeûnes, il y a quelque chose qui se passe. D'abord, il faut comprendre pourquoi jeûner. Quand tu jeûnes, tu actives ton esprit. Tu montes à un autre niveau. Alléluia. Je suis sûr qu'il y a ceux qui sont ici, certains qui sont ici, peut-être même beaucoup, aussi sur Internet. Tu as prié pour une chose pendant très longtemps, tu t'es même découragé. Tu as prié pour une délivrance spirituelle, ou une guérison, ou un mari, ou une femme, ou un enfant. Tu n'arrives même plus à prier parce que tu as prié. Ça n'a pas marché. Mais tu as prié, mais tu n'as pas jeûné. Ou bien tu as prié et tu as jeûné, mais tu as jeûné mal. C'est ce que nous allons voir. Parce qu'il y a des jeûnes qui n'ont pas de force, qui ne sont pas productifs. Parce que quand tu pries pour une chose et que ça ne marche pas, il n'y a pas de réaction, Dieu n'intervient pas, pas de signe d'attention. Là, ça veut dire que c'est plus fort que toi. C'est plus fort que ta prière. On va voir ça dans la parole. Ça veut dire que tu es limité. Amen. On va voir tout de suite qu'il y a des démons qui ne partent jamais sans jeûner. Peut-être toi, ta bénédiction, elle est bloquée à un niveau A ou à un niveau 3. Mais toi, tu es en train de prier une prière du niveau 1. Donc, il faut que tu jeûnes pour monter au niveau 3. Parce que plus tu jeûnes, plus il y a l'intervention des anges plus fort que les premiers. Voilà pourquoi il faut jeûner. Alléluia. Waouh, je me souviens quand j'ai commencé à jeûner, je n'ai pas compris comment les gens peuvent jeûner. 2-3 jours sans manger, est-ce que c'est possible? Oui. Je ne comprenais pas. Le premier jour que j'ai jeûné, à 15 heures, mes genoux tremblaient. À 15 heures, j'étais pris en esprit, j'ai regardé la montre, il faut que 18 heures arrivent. Mais le jeûne, ça vient progressivement. Tu vas dire, ah, il a jeûné 40 jours. Moi, je connais des gens qui ont imité, qui sont morts avant les 40 jours. Parce qu'il y a des techniques qu'il faut savoir, il faut apprendre de ceux qui ont réussi. Demande-le, comment est-ce que tu jeûnes pendant 3 jours? Comment est-ce que tu jeûnes pendant une semaine? Amen. Donc, il faut jeûner et savoir pourquoi jeûner. Et quand tu jeûnes, ce n'est pas juste une routine religieuse. Là, je n'attaque pas les églises. Mais parfois, dans l'église, on dit, tout le monde, 40 jours. Parfois, on ne sait même pas pourquoi 40 jours. Tu vois, tu manges pas? Non, je ne mange pas. Pourquoi? On est en train de jeûner à l'église. Jeûner pourquoi? En fait, je ne sais pas, mais on est en train de jeûner. Je suis tout le monde. Tout le monde, sauf de jeûner, 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 jeûner. Pourquoi est-ce que vous jeûnez? Il faut d'abord savoir pourquoi tu jeûnes. Je ne suis pas contre les jeûnes collectifs, ce n'est pas mauvais, mais il faut que le dirigeant, le pasteur donne une direction. Il faut savoir pourquoi est-ce que nous jeûnons. Que tout le monde sache pourquoi il jeûne. Sinon, c'est de la routine. Autre chose, quand tu jeûnes, tu ne manges pas midi, tu ne manges pas le matin, le temps de prier. Par exemple, tu manges normalement à midi, pendant 30 minutes ou une heure. Le temps que tu ne manges pas, il faut chercher un temps pendant le jeûne d'être avec Dieu. Pendant longtemps, je jeûnais, mais parfois je ne priais même pas. Je vais au travail, je mets la vie. La seule chose, je ne vais pas manger à midi. Je ne mange pas le matin. Et le 18h, oh, c'est le temps de manger. Tu n'as même pas pris le temps. Parce que tu abandonnes la nourriture pour t'attacher à Dieu. Tu fais souffrir la chair pour édifier ton esprit. Voilà pourquoi tu jeûnes. Alléluia. Sinon, si tu jeûnes sans prier, tu veux juste peut-être une belle taille, c'est tout. Perdre des kilos. Mais là, il n'y a rien, il n'y a aucun gain spirituel. Donc, pendant le jour que tu jeûnes, il faut chercher un temps. Je ne dis pas qu'il faut passer des heures, mais il faut chercher un temps spécial, un temps lié au jeûne. Amen. On va lire dans Matthieu 17, verset 14. Mm-hmm. Lorsqu'ils firent arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Okay. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Ok. 16, il faut garder 16, lis seulement 16. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Pourquoi est-ce qu'il a amené cet homme? Cet homme est venu vers Jésus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les disciples ont échoué. Est-ce que les disciples échouaient toujours? Non, parce que dans Luc 10, 17, on dit les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc ils chassaient les démons, malgré qu'ils ne jeûnaient pas. Il y a des choses que tu peux faire sans jeûner. Il y a des malades qui peuvent être guéris sans jeûner. Il y a des démons qui peuvent fuir sans jeûner. Parce que ces gens ne jeûnaient pas. On a vu ça au début. Ils ont jeûné après que Jésus est parti au ciel. Alors, il y a des démons qui sortaient. Mais ce démon-là, ne pouvait pas partir par une simple prière. Il y a une bénédiction qui t'appartient, que tu n'auras jamais. Je vais te demander de répéter jamais, mais je ne sais pas si tu vas le dire. Tu vas le dire. Dites jamais. Jamais. Ça, le jeu.
Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi que tu auras et des choses que Dieu a préparées pour toi que tu n'auras pas sans jeûner. Verset 17. On retourne. Verset 17. Matthieu 17, verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Alors pourquoi Jésus a dit ça? D'abord, il est incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Une bonne question. Donc maintenant, vous êtes bloqué, je suis avec vous. Qu'est-ce qui va se passer quand je ne serai pas avec vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeûner. Ah, vous ne comprenez pas. Donc, je suis avec vous, je vous dépanne. Parce que je suis avec vous physiquement. Mais quand je ne serai pas avec vous, je serai où? À la droite du Père. Là pour que j'intervienne à partir de là. Pour ce démon-là. Aïe, aïe, aïe. Quand tu manges le margarine le matin, tout ça, ça ne marche pas. Il faut que tu crucifies la chair. Le foufou, les Congolais disent le foufou. Il faut mettre à côté le foufou. Alléluia. Amen. Amenez-le-moi ici. Pourquoi Jésus était sûr de lui-même? Ce n'est pas seulement parce qu'il était le Fils de Dieu. Parce qu'avant de commencer le ministère, il a passé 40 jours et 40 nuits dans le jeûne. Il ne buvait même pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Voilà. C'est là où il a eu la force. Donc il a dit, amenez-le-moi ici. Verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'air même. Jésus n'a pas jeûné. Parce qu'il avait la puissance quand il a commencé le ministère, à travers le jeûne. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des situations, quand tu jeûnes régulièrement, tu n'as pas besoin d'aller jeûner. Amen. Parce que tu as emmagasiné une force Amen. Spirituelle. Amen. Alléluia. Quand tu jeûnes, tu es en train de te soutirer une force spirituelle. Amen. Quand tu jeûnes, ton esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour cela que quand Moïse montait à la montagne, il descendait, son corps rayonnait. Et quand il montait, il avait la puissance. Quand il descendait, on ne pouvait même pas le regarder dans les yeux parce qu'il fallait qu'il soit voilé. Chaque fois que tu jeûnes et que tu quittes le jeûne, tu n'es pas la même personne spirituellement parlant. Oui. Tu montes pendant 3 jours, tu sors avec 3 kilos de moins. Mais spirituellement, il y a 3 kilos de plus. Oui. Tu gagnes toujours quand tu perds quelque chose charnellement. Galates 5, versets 16 à 17. On dit que l'esprit et la chair sont opposés entre eux. Pourquoi? Pour qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés. Quand tu satisfais la chair, l'esprit est béni. Quand tu satisfais l'esprit, la chair est maudite. Elle n'est pas contente. Alléluia. Donc il faut savoir, quand tu jeûnes, tu fais souffrir la chair pour fortifier l'esprit. Donc Jésus a parlé sévèrement sans avoir à jeûner parce qu'il avait encore une force qu'elle est sortie de la montagne. Verset 19. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Pourquoi est-ce qu'ils ont dit en particulier? Pourquoi? Parce qu'ils avaient honte. Ils étaient humiliés devant tout le monde. Ils se demandaient, non, on était des stars. Tout le monde venait avec les démons. Mais maintenant, nous sommes humiliés. Je ne sais pas qui a commencé, mais je me dis que c'est Pierre. Parce que c'est lui toujours qui va en avant. Il a dit, maître. Oui, Pierre. Non, pas ici, devant tout le monde. Allons derrière. Derrière l'arbre. Ils sont partis, les 12. Derrière l'arbre. Nous avons honte. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 20. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Non, 19. Alors, les disciples s'approchaient. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Parce que dans Luc 10, 17, ils chassent d'autres démons. Alors, pourquoi est-ce que ce démon particulièrement, il ne sort pas? Il doit y avoir une raison. Parce que tu as donné le pouvoir. Parce que là, Luc 10, 17, au verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien n'en pourra vous nuire. Amen. On retourne dans Matthieu 17, la réponse de Jésus, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, l'air dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Alors, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Alors, jusqu'au verset 20, Jésus explique que c'est un problème de foi. Voilà. Donc, la foi a des dimensions. Ta foi n'est pas la même foi que ton voisin et l'autre sur Internet. Et ma foi n'est pas la même que la tienne. Donc ta foi a des limites. Il y a des choses que moi je peux prier et toi tu ne peux pas prier. Ou l'autre peut prier, toi tu ne peux pas prier. Amen. Maintenant Jésus leur explique avec votre niveau de foi, donc ça ne peut pas marcher. Il faut avoir une plus grande foi.
Alléluia. Amen. Mais ça, c'est pas tout. Le jeûne te permet de faire des choses qui dépassent ta foi. Waouh, vous n'avez pas compris. Il y a des choses que tu peux faire avec ta foi. Mais il y a des choses que ta foi ne peut pas faire. C'est pour ça que tu jeûnes, pour que tu rencontres Jésus. La puissance de Jésus qui intervient. Et il va déployer un ange qui va faire ce qui dépasse ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu jeûnes, ça dit que moi, je dépose. Seigneur, je dépose. Moi, je ne peux plus. Mais c'est toi, je veux que tu interviennes. Amen. Alors, mais il a ajouté quelque chose. Dis à ton voisin, il faut bien lire le verset 21. Alléluia. Verset 21. Le plus important. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. J'aime les versets qui commencent par « mais ». Alléluia. Ça veut dire que je t'ai dit beaucoup de choses, mais il y a quelque chose de très important qu'il ne faut pas oublier. Même si tu peux oublier ce que j'ai dit, mais il ne faut pas oublier verset 21. Cette sorte de démon. Cette sorte de quoi? De problème. Il y a un problème que tu as, l'autre a un problème, mais ton problème nécessite plus que la prière, plus que la foi. Amen. Donc, il y a deux choses. Il y a la prière et le jeûne. Voilà. Si j'étais Pierre, j'ai demandé à Jésus, mais tu viens de chasser. Tu n'as pas prié, tu n'as pas jeûné. Pierre, chaque soir, chaque matin, quand tu ronfles, quand vous me cherchez, dans Marc 1:35, où est-ce que vous me trouvez? Tous les matins, je suis sur la montagne des Oliviers. La parole de Dieu dit, comme à l'accoutumé, c'était sa coutume, c'était sa vie de prier tous les jours. Il a commencé par le jeûne et il priait tous les jours. Tous les jours. Donc, ça dit qu'il y a des démons, tu ne dois pas dire, je vais d'abord prier. Non, non, il y a des démons quand tu pries tous les jours, à un certain niveau. Alléluia. Parce que quand tu pries tous les jours, tu emmagasines une force spirituelle qui intervient tous les jours. Amen. Donc, cette sorte de démons ne sort que par la prière et le jeûne. Maintenant, on va voir Daniel, chapitre 9. J'aime beaucoup parler de Daniel quand il s'agit de jeûne, parce que Daniel, le premier verset, au verset 4. Maintenant, on parle de Daniel qui a compris que le moment de l'exaucement est arrivé. Amen. Le moment de l'exaucement est arrivé. Donc, ils étaient esclaves à Babylone pendant 70 ans. Mais le temps de Dieu est arrivé, il a remarqué ça. J'entends souvent les chrétiens qui disent, Dieu m'a promis ça, il nous a promis ça. J'ai des promesses, j'ai des prophéties, j'ai des visions. Alors, j'attends. J'attends comment? En ronflant? Il y a des promesses qui n'arrivent pas. J'aime souvent dire qu'il y a beaucoup de richesses au cimetière. Il y a des gens qui meurent avec des promesses. Dieu t'a promis des choses, mais tu meurs avec les promesses. Parce que tu n'as pas su avoir, attraper les promesses. Maintenant, Daniel a compris, et nous allons apprendre de Daniel. Le premier verset. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens. Verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Alors, maintenant, je connais beaucoup de chrétiens, quand ils découvrent que Dieu a dit qu'à telle année ou à tel âge, tu auras ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont danser toute la nuit. Ils vont informer tout le monde. Ils vont témoigner. Moi que vous voyez ici, le moment est arrivé. Mais c'est parce que Daniel a fait. Parce que Daniel connaissait très bien comment les démons bloquent. Dis à ton voisin, ça bloque. Le démon bloque les bénédictions de Dieu. Alors il fallait une intervention spirituelle pour débloquer. Parce qu'il y avait Gabriel qui avait le message de Dieu, la bénédiction de Dieu. Mais Gabriel allait rencontrer des difficultés, des oppositions. Il a bien compris. Verset 3. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Voilà, pourquoi au lieu de dire Seigneur, merci, merci, merci. Non, 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 non. Il a dit, je vais recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. À l'époque, on prenait le sac et la cendre comme signe d'humilité. Amen. Alors, maintenant Daniel, il va supplier Dieu pour des choses qu'il a déjà promises. Waouh. Même aujourd'hui. Faut pas dire, non, moi je sais, Dieu m'a parlé. Oui, qu'est-ce que tu fais alors? Et je confesse. La confession sans prière est nulle. Il faut confesser et prier. Déclarer et prier. Amen. Même si tu as vu ça, ça ne suffit pas. Il a jeûné, il a prié. Alors que c'était les 70 ans, c'était arrivé. Verset 4. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur,
Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Alléluia. Là, si vous continuez tout le chapitre, c'est la prière de Daniel. Il s'est même repenti pour les péchés qu'il n'a pas commis. Parce qu'il intercède. Quand tu intercèdes pour un peuple ou pour quelqu'un, tu prends ses péchés. Tu les mets sur la croix. Alléluia. Donc, il faut savoir comment intercéder. Il faut, à la maison, des voix, il faut aller le chapitre 9. On va au chapitre 10. Toujours Daniel. Au premier verset, au troisième verset. La troisième année de Cyrus, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel. Attends, le roi de Perse s'appelait comment? Cyrus. C'est un homme de chair et de sang comme toi et moi. Oui ou non? Ok. Une parole fut révélée à Daniel. Continue. Une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fit attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Alléluia. Maintenant, il a une bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Bonne ou mauvaise? Vous me suivez? Mauvaise nouvelle. Avant, chapitre 9, c'était une mauvaise ou bonne? Bonne nouvelle. Au chapitre 9, il a eu une bonne nouvelle, des choses qui allaient arriver, et il a jeûné. Oui ou non? Maintenant, au chapitre 10, il a une mauvaise nouvelle et il a encore jeûné. Vous qui jeûnez pour les mauvaises choses, il faut aussi jeûner pour les bonnes choses. C'est nouveau pour certains. Je jeûne parce que je veux un enfant. Je jeûne parce que je veux une femme. Je jeûne parce que je veux être guéri. Pourquoi tu ne jeûnes pas pour avoir ce que Dieu a préparé pour toi? Tu ne souffres pas, tu n'es pas malade, mais tu sais qu'il y a une promesse. Et tu sais que sans jeûner, tu n'auras pas ça. Donc, il ne faut pas jeûner seulement pour les problèmes. Jeûne pour les bénédictions. Il faut jeûner aussi pour les bénédictions. Jeûne pour les bonnes choses que Dieu a prévues pour toi. Alléluia. Suivant, verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. Attends, le deuil n'a pas perdu un membre cher. Le deuil, c'est le jeûne. Le deuil, c'est le jeûne. C'est-à-dire qu'il était seul. Il s'est empêché de manger, de faire quoi que ce soit. Il était isolé. Donc, je ne mangeais. Verset 3. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que... Les 3 semaines? Parce que les 3 semaines fussent accomplies. Ok, donc il a pris la décision de jeûner sans manger. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ici je vais juste vous montrer que Daniel priait pour un problème. Il a vu quelque chose de mauvais, calamité qui allait arriver. Il fallait qu'il jeûne. Il y avait un roi qui s'appelait comment? Cyrus, roi de Perse. Un homme de chair et de sang. Alors maintenant on saute au verset 12. Il me dit, Daniel. Ok, commence par 10, continue. Voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Attends, ok, tu dis verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidekel. Verset 5. J'ai levé les yeux, j'ai regardé et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Ok, continue. Son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis. Ok, mais là, on comprend que c'est un ange. Saute maintenant au verset 12. Qu'est-ce qu'il a dit? Il me dit, Daniel, ne crains rien. Ne crains rien, car dès le premier jour où tu ailles à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ok, maintenant je veux qu'on lise encore le verset 12. Il dit, Daniel, ne crains rien parce qu'il avait peur. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier. C'est-à-dire quand il a pris la décision de s'humilier pendant 21 jours. Il a pris la décision. D'accord? Il a pris la décision. Il n'a pas dit ça à quelqu'un. Il n'a pas encore prononcé ça. Il n'a pas encore écrit dans son carnet. Il décide dans son cœur. Peut-être que ça a pris des jours pour qu'il commence, mais dès le premier jour, quand il a pris la décision, d'abord il a d'abord compris. Il a eu à cœur de comprendre et de s'humilier, dit, je ne vais plus manger, je vais aller devant mon Dieu, avant qu'il ouvre la bouche, avant de parler, avant d'adorer. Ces paroles ont été entendues. Waouh! Quand tu prends la décision d'aller jeûner et de prier, avant que tu t'enfermes dans cette chambre, avant que tu en parles à ta femme, avant que tu en parles à tes amis, juste quand tu as décidé dans ton cœur, les paroles que tu parleras, les paroles que tu prononceras ont déjà été entendues. Et c'est à cause de ces paroles
que Dieu prépare, déploie des anges. Donc, tu as compris, tu t'es humilié, juste dans ton cœur, tes paroles ont été entendues. Autrement dit, les paroles ont été entendues avant d'être prononcées. Waouh! Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Autrement dit, s'il n'avait pas prié, il ne serait pas venu. Donc, il y a un ange qui ne viendra jamais dans ta vie. Quand tu pries seulement, sans jeûner. Amen. Si tu es malade, si tu as l'estomac, il faut prier. Il faut être guéri. Amen. Mais ne jeûne pas quand tu es enceinte. Parce que j'ai des femmes enceintes. Quand tu jeûnes, ton bébé jeûne aussi. Tu forces un bébé de jeûner. Donc, il ne faut pas jeûner pendant que tu es enceinte. Amen. Verset 13. Le chef du royaume des Perses. Attends, le chef du royaume des Perses qu'on a vu, c'était qui le premier verset? Cyrus. Ok, continue. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Attends, est-ce que Cyrus peut bloquer Gabriel? Non. Comment? Comment est-ce qu'un homme de chair de sang peut bloquer un ange? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit le chef du royaume des Perses, a dit Cyrus, il m'a bloqué pendant 21 jours. Qui comprenne que ce n'est pas la chair de sang? Parce que dans... Deux personnes, c'est moi. Dans Éphésiens 6, 12, on parle de... On ne lutte pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les autorités. On parle de principautés. Les principautés, c'est-à-dire ceux qui gouvernent une région. C'est-à-dire qu'à Perse, il y avait Cyrus qui était le chef, qui était le roi de chair et de sang. Oui ou non? Mais il y avait un autre chef, un roi spirituel, qui gouvernait la Perse, mais qui n'était pas Cyrus. Autrement dit, il y avait un autre démon au-dessus de Perse qui bloquait les bénédictions de Dieu. Partout où tu es. Si tu es au Burundi, si tu es au Rwanda, si tu es au Congo, si tu es au Cameroun, il y a des principautés au-dessus de ton pays, au-dessus de ta ville. Ils sont là, ils bloquent la main de Dieu. Donc pour que ça soit débloqué, il faut qu'il y ait une autre force. Alléluia. Amen. Donc il dit que le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici Michaël. Il y a Michaël. C'est nouveau pour certains, mais Michaël est plus fort que Gabriel. Mais tous les deux sont des anges de Dieu. Donc les anges n'ont pas la même force. Il y a des anges qui interviennent pendant la prière ordinaire. Mais il y a des anges qui interviennent pendant le jeûne. Et ces anges attendent que tu jeûnes. J'ai toujours dit, un chrétien qui a une bonne santé spirituelle, normalement constitué, qui n'est pas malade, normalement il devrait jeûner au moins un jour par semaine. Au moins un jour. Donc il faut avoir un jour où tu jeûnes, pas parce que tu veux un travail ou un visa. Tu jeûnes parce que tu veux t'approcher de Dieu. Tu veux monter sur un autre niveau. Alléluia. Tu veux grandir spirituellement. Tu veux t'approcher plus. Voilà le jeûne qu'il faut faire. Amen. Si tu jeûnes seulement quand il y a des problèmes, quand Dieu veut que tu grandisses, il va créer des problèmes pour que tu jeûnes. Mais quand tu jeûnes normalement, ça devient naturel. Jeûner, ça sera naturel. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va dire, c'est pas possible. Moi, j'ai mangé. Il a dit, j'ai mangé. Si tu as mangé, c'est toi la meilleure personne pour jeûner. Tu es dans une bonne position pour jeûner. Parce que ton jeûne sera plus fort que le mien, peut-être. Donc, il faut abandonner ce que tu aimes. Autre chose, entre parenthèses. Jeûner, ce n'est pas seulement abandonner le foufou, les haricots, le riz, ce n'est pas seulement ça. Jeûner, tu abandonnes tout ce qui est loisir, tout ce qui plaît à la chair. On a vu beaucoup de chrétiens pendant la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, qui jeûnaient. L'église était à jeûne pendant 40 jours. Ils dormaient 2 heures du matin. Yeah! Tu es en train de jeûner, tu es yeah! Non, on a gagné, non, on a perdu. Tu es en train de jeûner, tu es en train de crier pour Cannes, Coupe d'Afrique des Nations. Et quand tu dors, tu vas voir quoi? Quels sont les rêves que tu verras? Drogba, il était là. Quand tu jeûnes, il y a des choses que tu abandonnes. Ça dépend de la dimension du jeûne. Mais le jeûne, ce n'est pas seulement de ne pas manger tout ce qui plaît à la chair. Amen. Amen. Je connais quelqu'un, quand il jeûne, ce n'est pas seulement le foufou. Et aussi TikTok, Instagram. Il dit non, ça, je vais d'abord laisser. Parce que la parole de Dieu dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme. Alléluia. Waouh. Maintenant, verset 13.
Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Uh-huh. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, uh-huh. est venu à mon secours. Uh-huh. Et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Michael est venu à mon secours. Pourquoi est-ce que Michael est venu au secours de Gabriel? C'est pas seulement parce qu'il n'est pas fort. Gabriel n'avait pas la force suffisante pour percer. Donc le chef de Perse démoniaque a bloqué. Amen. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Daniel n'a pas cessé de prier. Parce que Daniel a persévéré. Parce qu'il ne voulait pas lâcher. Waouh. Donc Dieu a déployé un ange plus fort. Il y a des anges qui doivent être déployés d'une façon spéciale, comme secours. Et ces anges viennent pour les gens et des hommes et des femmes qui jeûnent. Prier, c'est bien tous les jours, mais il faut jeûner pour qu'il y ait des anges plus puissants. Il y a des malédictions dans ta vie, dans ta famille. Hein? Peut-être les filles ne se marient pas. Il y a des fausses couches, il y a des maladies qui sont fréquentes dans la famille. Là, il faut jeûner. Amen. Tu dis, assez, c'est assez. Ça ne continue pas comme ça. Je viens devant Dieu pour qu'il y ait un ange. Il ne faut pas seulement demander à Michael. Parce que j'ai entendu beaucoup de chroniques ici. Seigneur, envoie Michael. Je vais te montrer le verset 20. Lisons le verset 20. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre les chefs de la Perse. Et quand je partirai, voici les chefs de Javan viendra. Verset 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là. Ceux-là qui? Contre les chefs qui ont la puissance du roi de Perse. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 19, puis il m'a dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme il parlait encore, j'aurais pris les forces. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 13, on a lu le verset 13. Tandis qu'il m'a testé ces paroles, je me dirigeais, mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. C'est le verset 16. Amen. Verset 18. Dis verset 18. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Mm-hmm. Continue jusqu'à le dernier verset. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Okay. Courage, voilà, courage. Voilà, retourne au verset 13. Verset 13 dit... C'est ça que je cherchais. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Voilà, il m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, le seul principal chef. L'un des principaux. Donc, il ne faut pas toujours appeler Michael. Il faut laisser Dieu envoyer qui il veut. Amen. Parce que si c'était le seul Michael, on serait dans des problèmes. Parce que moi, je prie et Michael est en train de servir quelqu'un qui est en Inde. Et je dois attendre que mon tour. Mais Dieu a des milliards d'anges. Parce que Michael n'est pas omniprésent. Donc il a intervenu ici, mais il a beaucoup d'autres. L'un des principaux. Il y a d'autres principaux qu'on n'a pas cités dans la Bible. Il y a un ange qui a réservé pour toi. Tout ce que Dieu attend, il veut que tu montes. Alléluia. Maintenant je vais dire quoi? Je vais dire le jeûne, c'est ça le titre. On retourne au titre. Le jeûne qui plaît à Dieu. On va dans Ésaïe 58. Pour voir le jeûne qui plaît à Dieu. Toi-même, tu vas décider, tu vas conclure si ton jeûne, toi qui jeûnes, tu vas conclure si ton jeûne plaît à Dieu ou pas. Si ça ne plaît pas à Dieu, tu vas te corriger. Amen. Le verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne les vois pas? Attends, il y a des gens qui se lamentent, qui se plaignent. À quoi bon de jeûner? Comme il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent, moi je jeûne, rien ne change. Il y en a ici, je sais. Rien ne change, j'ai jeûné. Pas de réponse, pas de signe d'attention. Pourquoi jeûner? Tant mieux manger. Au moins, il y a le foufou, j'ai la force. Qu'est-ce que nous sert de jeûner si tu ne vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Donc, ça ne t'intéresse pas. La réponse est dans le même verset. Voici le jour, pasteur. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Mercenaires, ce sont des serviteurs. Amen. Alors, maintenant, les penchants, il y avait aussi la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le penchant. Là, il y a des chaînes télévisées, il y a des choses qui te plaisent, des choses qui plaisent à la chair, c'est des penchants. Donc quand tu jeûnes, il y a des penchants qu'il faut mettre à côté. C'est peut-être pas un péché, mais pendant le jeûne, mets à côté. Alléluia. Amen. Oui, il y a des jeûnes où tu peux aller au travail, parce que Jésus a dit, quand tu jeûnes, tu peux parfumer ta tête, donc il ne faut pas faire le visage de deux, voilà. Donc ça dit que tu vas là où les gens te voient, ça c'est une sorte de jeûne. Il y a d'autres jeûnes là où tu es à l'écart, seul. Amen.
Donc il faut mettre de côté vos penchants et vous traiter durement vos mercenaires. Là, ça concerne surtout les Africains ou ceux qui vivent en Afrique. Parce que la plupart de ceux qui vivent aux États-Unis, en Europe et en Occident, ils n'ont pas de serviteurs. Sauf si tu es chef d'entreprise. Amen. Donc ils cuisinent eux-mêmes, ils font tout avec leurs mains. Mais si tu as quelqu'un à la maison, tu es en train de jeûner et tu ne paies même pas ton serviteur, ton cuisinier. Tu es dur avec ceux qui sont sous ta responsabilité. Ça bloque le jeûne. Ah, c'est nouveau. Même Pierre a dit, en parlant de femme, il a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui bloque tes prières. Quand tu traites mal ta femme, ça bloque le jeûne. Wow. Verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Pour frapper méchamment 10 points, uh-huh. Vous ne gênez pas comme le fait ce jour, uh-huh. Pour que votre voix soit entendue en haut. Donc il y a des disputes à l'église, toute l'église, et dans 40 jours, 21 jours, mais il y a des disputes dans l'église, à la chorale, et vous jeûnez. Vous perdez votre temps. C'est pas moi qui le dis. Il dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Autrement dit, vous ne jeûnez pas comme Dieu le veut. Il y a un silence de mort, je sais, je comprends. Chacun se verra lui-même. Amen. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce que c'est ce jeûne que moi, je suis, que je veux? Moi, Dieu, c'est pas ce jeûne que je veux. Un jour où l'homme humilie son âme, donc tu ne manges pas, tu t'enfermes dans la chambre, tu courbes la tête comme un jeune et tu te couches sur le sac et la cendre. C'est-à-dire que tu abandonnes tout, la télévision, le téléphone. Est-ce que tu appelleras ça un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. C'est peut-être agréable pour toi, mais pas à l'Éternel. Verset 6. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Mm-hmm. Ah. Okay. Des tâches. Attends. Dis à ton voisin, voici le jeûne auquel il prend plaisir. Dis à ton voisin. C'est le but de l'enseignement. Nous voulons savoir le jeûne auquel il prend plaisir. Mais pas les versets 4, 5, 6, on a compris qu'il faut la sanctification. Le jeûne exige la sanctification. J'ai vu des jeunes qui jeûnaient alors qu'ils vivent une vie de fornication, de masturbation, de pornographie dans les téléphones et ils jeûnent. Voilà pourquoi c'est dangereux. Les jeûnes collectifs, c'est bien, mais il faut bien expliquer à ceux qui jeûnent. Tu ne peux pas jeûner si tu vis une vie pécheresse. Ce jeûne n'a pas de force. Dieu n'écoute même pas cette prière. Amen. Dieu n'écoute pas la prière. Tu as abandonné ta femme, tu es avec une autre femme, ou vous vivez ensemble sans vous marier, il n'y a pas de mariage. Vous décidez de vivre ensemble et vous jeûnez, vous perdez votre temps. Dieu n'écoute pas ce jeu. Parce que quand tu as quelque chose qui te condamne, qui t'accuse, tu dois te repentir. Avant de jeûner, repens-toi. Tout ce qui peut bloquer ta prière, il faut te préparer spirituellement. Parce que Daniel, il a commencé dans chapitre 9, il a commencé par la repentance. Parce que c'est important. Quand tu vas devant Dieu, oui, tu loues Dieu, entre dans sa présence avec des louanges, mais après, il faut la repentance. Amen. Et voici le jeûne auquel je prends plaisir. Commence. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, envoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Autrement dit, les quatre points parlent de libérer les autres. Wow! On a parlé aussi des serviteurs qui sont sous ta responsabilité. Verset 7. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Autrement dit, exerce de la bonté. Yeah. Moi, j'ai compris une chose. Les musulmans ont compris ça. Pendant les 30 jours de Ramadan, tu vas voir que c'est le mois où ils sont les plus généreux. C'est le mois où ils veulent donner des cadeaux, aider les pauvres, aider les veuves, parce qu'ils savent son principe. Le seul problème, c'est qu'ils ne prient pas au nom de Jésus. Donc eux aussi. Parce que la prière doit être faite au nom de Jésus. Mais au moins, ils ont compris son principe. Et les chrétiens prient au nom de Jésus, ils n'ont pas compris ça. Mais imagine-toi, si le chrétien qui prie au nom de Jésus a compris ça. Ah. Alléluia! J'ai compris ça. Je prie dans le nom de Jésus. Je me répands. Je me sanctifie. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Le verset de sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Les gens croient qu'on parle seulement de voir le Seigneur au ciel, mais même ici sur la terre. Parce que quand tu pries, tu vois le Seigneur. Tu es dans sa présence. Donc sans la sanctification, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Amen.
Regarde d'abord ce qui se passe à la maison. Est-ce que tu es correct avec ton cuisinier? C'est lui qui fait le nettoyage. Est-ce que tu es correct avec lui ou elle? Est-ce que tu le payes à temps? Parce que toi, tu es payé à temps. Tu es payé le 26 ou le 1er. Mais lui, tu attends le 10. Pourquoi? Et tu viens jeûner. Pourquoi Dieu ne s'intéresse pas à ton cuisinier? Il s'intéresse à lui. Dieu s'intéresse à la personne qui est sous ta responsabilité. Même quand personne ne te voit, lui te voit. Comment est-ce que tu traites ta femme avant de jeûner? Demande-toi, est-ce que je traite bien ma femme? Est-ce que je suis soumise à mon mari? Waouh, silence! Ça, c'est important, je dois le dire. Comment est-ce que je traite mes enfants? Les enfants qui me suivent, comment est-ce que j'obéis mes parents? Si tu n'obéis pas tes parents, ne jeûne pas! Tu perds ton temps. C'est très important. Alors, il y a maintenant, partage ton pain avec celui qui a faim. Pour que le jeûne soit efficace, tu dois faire quelque chose pour le malheureux. Quelque chose pour la veuve ou un orphelin ou n'importe quoi, mais un don à partir de ce que Dieu t'a donné. Comme tu as abandonné le repas, laisse quelque chose de ton portefeuille. C'est ça, quand tu jeûnes, il ne faut pas faire 40 jours sans rien donner. Tu dois donner quelque chose. Parce que ce que tu donnes, ça accomplit. C'est un ingrédient que tu ajoutes au jeûne. Fais entrer dans ta maison les malheureux. Ça dit, tu ne dois pas les faire entrer dans ta maison, mais fais quelque chose pour eux. Ne dis pas non, ça c'est pour les riches. Non, toi, Dieu t'a donné quelque chose. Sauf si tu es chômeur, tu n'as rien. Mais tu as les bras, tu as le corps, tu as la santé. Va dans un hôpital, fais quelque chose. Encourage quelqu'un. Et ça va donner de la force à ton jeûne. Si tu vois quelqu'un qui est nu, il n'a pas de chaussures, mais ta garde-robe, il y a l'embouteillage. Seigneur, je jeûne, mais tu l'as vu qu'il est nu. Qu'est-ce que tu as fait? Donc tout ça, ça bloque le jeûne. Et tu pries, rien ne change. Parce que pendant que tu pries, Dieu voit ce que tu aurais pu faire, mais que tu n'as pas fait. Verset 8. Alors, ta lumière... Attends. Maintenant, on parle de la solution. Dites alors. Alors. J'aime beaucoup les versets qui commencent par alors. Waouh. Quand on dit, tu as fait ça, tu as été correct avec tes serviteurs, ton cuisinier, tu es correct avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes voisins, tu as demandé pardon à quelqu'un, tu es correct, tu es sanctifié, tu as demandé pardon, tu as partagé ton pain avec quelqu'un qui a faim dans l'église, qui n'a pas où dormir, tu donnes quelque chose, tu as abandonné une chemise. Alors, beaucoup de chrétiens cherchent pour chercher alors. Ils sont au verset 8. Ils ne veulent pas le verset 3, 4, 5, 6, 7. Avant de sauter au verset 8, il faut faire le 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera. Parle longuement, tardivement, promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Wow! Verset 9. Pasteur. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Attends, avant d'appeler, il y a des conditions. Dites conditions. Conditions. Wow. Faut revoir vos jeunes. Tu vas directement, tu loues, tu appelles. Il y a un gap. Tu as sauté quelque chose. Alors tu appelleras. Et l'Éternel répondra. Pourquoi? Tu as un ordre. Tu crieras, il dira, m'en voici. Je suis là. Wow. Amen. Et si tu es loin du milieu de toi le jour. Voilà. Le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Les gens qui injurient les autres et ils sont en train de jeûner. J'aime beaucoup le verset 10. Si. Il y a une condition. Si, ça veut dire condition. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. J'ai un ami américain, un jeune, mais il est plus jeune maintenant. C'est un américain. Chaque fois qu'il jeûnait, il prenait son repas qu'il devait manger. Il va dans la rue pour donner à quelqu'un. Il m'a dit, pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, j'ai lu le verset 10. Ésaïe 58, verset 10. Il m'a dit, si tu donnes ton repas. Il habitait avec sa mère. Il a dit, maman avait préparé pour moi, je prends ce que je devais manger, je vais donner à quelqu'un. Ta propre subsistance à celui qui a faim. Mais tu donnes alors que toi aussi tu as faim. Tu as faim exprès, parce que tu pries. Mais lui, il a faim parce qu'il n'a pas à manger. Donc tu donnes celui qui a faim. Si tu rassasies l'âme indigente, pauvre, quelqu'un qui est pauvre, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Waouh! C'est très fort. Donc, avant de jeûner, il ne faut pas se dire, oh, nous sommes dans 40 jours. Non, non. Examine-toi d'abord.
Parce que Dieu ne bénit pas collectivement. Il y a quelque chose qui est à toi. Oui, quand vous priez pour l'église, oui, c'est bien pour l'église. Mais ici, je suis de parler de toi quand tu pries pour toi. C'est un jeûne pour toi. Ce n'est pas parce que c'est un ordre de l'église, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de breakthrough, de la percée. Tu veux que Dieu ouvre une porte. Tu es fatigué de la même situation. Ça ne doit pas continuer comme ça. Ces malédictions familiales, ça doit cesser. Il y a des jeunes de révolte contre le diable. Tu dis, Nena, assez, c'est assez. Ça ne doit pas continuer comme ça. Amen. Donc, tu approches Dieu à travers le jeûne. Amen. Donc, le jeûne, normalement, ça devait être quelque chose de volontaire. Que ça ne soit pas un ordre. Parce qu'il y a des gens qui exigent des jeûnes à l'église. Amen. Et il y a des chrétiens qui font semblant de jeûner. Mais à la maison, en cachette, foufou. Tu trompes qui? Le pasteur et ton Dieu. Alléluia. Voilà. Il faut comprendre une chose. Tout ce que Dieu a préparé pour toi, c'est pour toi. Alléluia. C'est pour toi. Mais il y a des conditions pour avoir ça. Il y a des choses que tu auras dans la vie que tu ne chercheras même pas. Tu tombes sur ça. Ça vient comme ça, pouf. Tu trébuches sur ça. Amen. Mais il y a d'autres choses que tu dois toi-même faire quelque chose pour avoir ça. Donc il y a des choses que tu dois d'abord prier pour avoir ça. Voilà, voilà, making. Donc le travail, moi, c'est partout. Donc ces derniers temps, ça sera comme ça. Parce que si je dois attendre le confort de tout ce que je vous montre et tout, ça sera compliqué. Ça me retarde un peu. Donc comme ces derniers temps, j'ai repris avec le travail. Je me suis dit, mais quand même, Ebayanga, il mérite quand même beaucoup. Alors si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez, ça vous a fait du bien, ça vous a béni, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Quant à moi, je vous dis plein de bonnes choses. On se retrouve prochainement dans un prochain numéro. Soyez bénis. C'est Mama Kimia Sarah toujours. Bisous. Dieu m'a sauvé.